يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِم على سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد، العياذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بان فريك بان سير، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مبدئاً، ما كي l'état d'esprit qui nous persiste dans sa masjid là à ce là qui l'état d'esprit avec aircon et la lumière et ventilateur et moquette qui les nous l'état d'esprit quand dans sa même lieu là il y a bande frère dans nos communautés qui peut dormir l'eau bande débris. Nous bédormis, maintenant bédormis dans le débris. Comment nous faisons ça? Est-ce qu'il nous besoin d'un aircon, nous besoin d'un la lumière, nous assise dans nous? Non. Mais seulement ce qui est ayat Quran de Surah Ibrahim, j'ai la in shakartum. Je te remercie Allah et shakartum veut dire, numéro un, reconnaître Allah sur l'unicité. Numéro deux, mettre limite Allah en pratique. Et numéro trois, remercier Allah avec nous la bouche. La in shakartum, m'aurait dit, je t'ai envie d'évaluer votre iman. Je t'ai envie d'évaluer notre famille sur iman. Nous envie d'évaluer nos communautés sur iman. La in shakartum veut dire numéro un, reconnaître Allah sur wahdaniya, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et lui tout seul mérite ibadat. Numéro deux, c'est respecter ma limite qui Allah fin mette et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mette. Et numéro trois, c'est remercier Allah subhanahu wa ta'ala. La in shakartum la azidannakum. Point numéro un. Point numéro 2. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. Incroyable. Allah subhanahu wa ta'ala dans kitab Allah أكبر معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم. Plus grand miracle qui descend au Rasulullah صلى الله عليه وسلم بإجماع العلماء بإجماع العلماء avec consensus c'est kitab Allah azza wa jalla. Dans sa livre, la 1445, ban année 1450, ban année de cela, Allah donne un ayat Coran pour y expliquer nous réalité de sa lavila, mukabil l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans sa ayat Coran de surat Tawbah, c'est mukabil ban Yahoud. Ban Yahoud qui Allah décrit à eux, wa qalatil Yahoudu, Uzairun ibn Allah, ittakhadhu ahbarahum. وَرُحْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ بَنَا إِنْ أَدَبْتِ إِذْ بْرِيْتِ إِذْ مُوَنْ كُمْ رَبْ دَنْ بْلَاسَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَنْ يَهُودِ إِذْ مَنْ نَصَارَى أنسوط الله جاء يريدون بَنْ لَا سِبَنْ يَهُودِ أَنْ يُتْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ
Ils ont envie d'éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire hidayat Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire Quran Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire l'islam, j'ai envie d'éteindre. Allah répond, wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Allah dit à un musulman, n'a pas gagné sa traque qui banna pour éteindre la lumière Allah. N'a pas gagné traque qui tout le monde a raison pour moi. Ashabul Ukhdoud, ban Ukhdoud, tout musulman chimo et l'islam pour continuer ce qu'il y a. Pas gagné sa traque là. Gagné traque à ton position. Gagné traque à ton prise de position. Gagné traque à comment tu gagnes ça événement là. Gagné traque à qui tu as fait pour ça événement là. Gagné traque à toi quand tu rencontres contre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment tu peux faire face avec Rabbul Alamin? Allah subhanahu wa ta'ala finit dire la surah Tawbah. Yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Maqsad ra'isi. L'objectif principal, c'est pas fini peuple de Gaza. L'objectif principal, c'est pas prendre Baytul Muqaddas. L'objectif principal, Allah dit, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim. Il y a envie de chasser l'islam de Ouliki là. Il y a envie de chasser à l'islam de vos enfants sur les quilles. Il y a envie qu'ils ouvrent une kafir pareil comme Ali. Ou à l'interdra. Anka l'yahoudou ou à l'annassara. Hatta tettabi'a millatahum. Aussi longtemps que tu ne pas suivre notre millet, je ne vais pas vous satisfaire. LGBT, c'est quoi? C'est haine parmi ban fruit de une société libérale pourrie pour tirer iman de tous les quilles. Ce n'est pas péché ça. Péché, hein, je vous le fais péché de son akaz tranquille. Il n'est pas venu un faux péché dans la société. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit Man Yahoud, dans le tafsir, yuriduna an yutfi'u nur Allahi bi afwahim. Je veux éteindre la lumière. Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ya'ba Allah, Allah refuse, illa an yutim nurahu, qui se l'éclairage, pour terminer. Walau kariha al-kafirun, même un kafir pas satisfait. Ensuite Allah dit Huwa alladhi. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على غسيل تحكي الله عنده نود القرآن كي الله فينا وضعه الذي أرسل رسوله لفينا وضعه سو رسول écoutez maintenant musulmans pas fatigue zod depuis le mibar mazid al-wadi m'opédia pas fatigue zod pour éteindre la lumière Allah et n'a pas de fatigue zod pour finir musulman. C'est une bataille perdue d'avance. Oh l'ennemi Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une bonne nouvelle pour un musulman. Simplement trappe ton dîn comme un bisin trappé. Wa atasumu bihablillahi jami'a. Wa la tafarraku. Allah finit promettre. Huwa alladhi arsala rasulahu. C'est lui qui envoie son rasoul. Bil huda. Avec une preuve claire. Avec un sharia qui est clair. Avec un sharia qui est facile. Wa din il haq. Avec l'islam. Li yudhirahu. Pour que l'islam prévaloie. Walau kariha al-mushrikoun, même un mushrik pas plus satisfait. Qui voulait de sa khurba la plus que ça? Qui voulait? Choisis ton bis, choisis ton parti, choisis ton taïfa, choisis de quelle équipe tu veux rentrer. Il y a trois équipes qui peuvent analyser cet événement-là. Et l'équipe, qui peut mort avec un mujahidine, qui peut la guerre pour libérer la terre. Faire attention! Ban mot qui nous servit important, capable quelquefois, même nous-mêmes, ou bien ban frère qui monte nos mimbar, nous visons précis de servir ban mot, c'est pas une attaque le 7 octobre, c'est une rétaliation, c'est une la guerre de libération, c'est une la guerre pour gagner nous la terre, qui nous perdit pendant depuis 1948. L'histoire-là commence plus avant encore, 1897, quand ban Yehoud peut gagner tué. En même temps, l'Empire islamique peut perdre ce pouvoir. Ottoman, à l'heure de ce moment-là, on a signé un agreement qui s'appelle Balfour pour choisir Palestine comme la terre promise pour sa manière Yahoud qui vient tuer dans le pays d'Europe. Mais dans le pays européen, tu dois prendre un autre garde que d'autres là-bas. Qui fait pas avoir ça ici? Parce que c'est une guerre conceptionnelle. Et une la guerre aqida. Et dans la guerre, ce masjid-là, c'est un masjid Moubarak. Et la relation avec ce qui Moussa alayhi salam disait sur le peuple, Yaqom, idkhulu l'ard al-muqaddasat al-lati, katab Allahu lakum, wa la tartaddu ala adbarikum, fatan qalibu khasirin. Ben là, je dois encore pétrape sa partie, qui Allah t'y promet, je te salatier là. C'est moi, je ne comprends pas qu'il y ait de Coran, il y a une condition pour te continuer à rester salatier là, c'est un bizin pieux.
Pareil comme à nous aussi, pareil. Al-Lindia Khaira Ummatin, Ukhrijat Linnas. Dans la drogue aussi, Khaira Umma. Dans le shirk aussi, Khaira Umma. La guette aux frères aussi, Khaira Umma. Non. Khaira Umma, meilleure communauté, au moment où tu appliques les conditions qui sont mentionnées dans sa ayat Qur'an pour te rester meilleure communauté. Qu'est-ce que c'est ça? Ta'muruna bil ma'rufi, wa tanhauna 'anil munkari, wa tu'minuna billah. Ça, c'est trois conditions pour Allah continuer à faire toi jouir de sa titre de meilleure communauté. Ça, c'est point numéro 2. Point numéro 3. La guerre Uhud. La guerre Uhud, c'est le résultat de la guerre Badr. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a l'autre pour la guerre de Badr, pour faire istirad. En même temps, pour casse shawka de man kafir, pour casse nufoud, la fosse, en même temps pour rétablir ban l'azan qui ban coquin. Ça c'est Badr. Quand Allah donne une victoire, Rasulullah sallallahu alayhi wa laqad nasarakum Allah bi badrin wa antum adhillah. Allah donne une victoire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ban sahaba ban mujahidin dans la guerre Badr, Allah subhanahu wa ta'ala donne ça, ban Quraysh Makka une prépare pour la guerre Uhud pour une tiers revanche de la guerre de Badr. Dans Uhud, 70 sahabes shahid. Et là-dedans, maintenant, décide l'écho de Hamza radiallahu anhu. Et comment vous dites ça, la guerre-là, c'est le résultat de la guerre de Badr. Mais si tu m'as dit, tu arrives ça, elle causait dans nous l'époque, mais tu peux dire, qui l'a mis à moi, il a le rodé de Badr. Qui l'a guerre, il a le rodé de Badr. Qui fait une ferme de Quraysh en colère, à la zone tiers de colère de Uhud. Ça, c'est l'esprit défaitiste. C'est l'esprit mukhalif le kitab wa sunnah. Ça c'est conception, les contraires. Dans Uhud, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surah Al-Imran, wa laqad sadaqakum Allah wa'adahu idh tahussunahum bi'idhni hatta idha fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa 'asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah. Quel moment vous êtes nous penser hein, Coran. Surah Al-Imran dans Uhud. Quand 70 sahaba en shahid, parmi eux, Hamza radiallahu an, tchacha de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah jamin kum man yuridu dunya, qui fait un subi à sa défaite là, parmi man sahaba. Quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, l'ode stratégique de ne pas descendre de sa colline qui reçoit une médiote là, il désobéit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui fait, min kum man yuridu dunya, et n'a pas mis eux qui peut redonner dunya. Combien de gens ont de l'akhira et n'ont pas besoin de kibirou de l'akhira? Ensuite, à l'aide de nous, ce qui m'a dit, l'événement shahid de 70 sahaba, c'est le résultat des désobéissances qui n'ont pas de comprendre la stratégie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans Uhud, le colline. Mais ça, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam fait une balaye avec ça. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vient tous les jours dire maintenant, je trouve, je pas écoute moi, je ne mot, à la mot, un mot, non! Non, parce que ça c'est la vie, ça c'est dunia. Moussalman ne fait rien, Moussalman mot. La danse c'est l'intention, la danse c'est agenda, la danse c'est l'objectif qui est important. Dans ça la guerre, Uhudda, ban sahaba in descend à l'indien. Wa asaytum min badima arakum ma tuhibbun. Je ne désobéis. L'ordre stratégique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Résultat, 70 shahid. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas fait ça, matam. Non, c'est nous qui est devant. Alors, façon qu'un musulman pense, il dit bien, prend sa pensée, sa fondation de sa pensée, depuis dans le Coran et depuis dans le Sunna. Alors, Uhud, c'est un résultat de la guerre Badr. Et ça, nous ne pouvons pas dire que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il mal fait, wal'iyadu billah. Nous ne sommes pas capables de nous jouer. C'est un man conspirationaliste, man qui peut faire victoire de man mujahidin. Paraît pas victoire, les gens ou man Yahoud, même qui plante ça. Yahoud, il plante ça. Yahoud, il plante partout. Yahoud, il plante ça. Nous faut Israël tomber. Sa faveur Israël l'a tombé. Nous faut. Ça, c'est un plan Israël. Il n'a pas contrôle du tout ce qui arrive, ce castier-là. Nous faut Israël. Ban Moudjahidine, encore à l'intérieur, la terre volée. Non. Ça, c'est la guerre istibaqiyya
ban mujahidin indien qui ban nati fini prépare la guerre pour faire invasion dans la terre Gaza pour dépopulariser Gaza pour tuer Gaza pour avoir dans Sina pour mettre la tente là-bas et si là-bas les fini faire travail là pour eux les fini libérer la terre Sina de ban égyptien qui se reste là-bas sans dire qui faire parce que c'est agreement qu'il gagne avec Netanyahu pour qu'il gagne dépopulariser Gaza mais eux restent permanent dans la tente de la terre Sina. Quand les Moudjahidines connaissent une invasion, ils là qui prend le devant, mais je suis déjà en préparation depuis une crée. Je fais ça, mon mouvement libération depuis 1980, je suis préparé. Je ne commence la guerre, c'est là. Comment je dire 1948, c'était annonce de pays Israël, partir à Hamas. Jusqu'à 1980, ça 40 bananes là, c'est persécution, vol, viol, la terre, touiller, prend la case, prend la terre, prend cultivation, domination le Masjid al-Aqsa, fouille Masjid al-Aqsa au fond pour qu'il y tombe, il y graine. Vous autres montre le temple de Salomon, ça c'est le côté conceptionnel de sa bataille qui peut passer dans Palestine là. Et de l'autre côté, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait apparaître Benjamin qui paraît pour sacrifier ce 10 ans. Zot l'écho, zot l'argent pour la guerre pour Masjid al-Aqsa en premier, ensuite pour libérer la terre volée. Pas dire la terre Israël, sans nos mots. Nous ne pouvons pas dire la terre Israël, la terre volée. Nous ne pouvons pas dire civilien. Nous disons non, ban voler. Ben dis-moi, dire civilien, mot dans Palestine, civilien, quand il vient civilien. Ah, il vient civilien, il accepte de rentrer dans la caserne palestinienne, tiens, il met l'idéo. Il prend sur la case, après ça, civilien. Non, appelle ça participation dans vol de la terre. Mais quand tu donnes ni le nom de civilien, là tu dis, mais pas un droit tout civilien. Et l'autre côté, quand tu appelles Hamas, organisation terroriste, ça veut dire elle est la même qui, quand déclaration devant le pays sorti, ben l'Indien nous condamne l'attaque terroriste. Il pas appelle ça là, la guerre pour libérer ben la terre qui ban Yahoud une coquin. Je m'appelle ça. Parce qu'il est là tout le monde pour comprendre. Mais même ça. Irlande. Le pays comme Irlande. L'Espagne. L'Espagne, mon frère. Irlande. Quand on a un banan peut causer. Comment dire, résiste pour lui dire Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Et quand on a un Sisi causer. Vous connaissez qui Sisi dit? Sisi dit Netanyahu, pas avoir les autres côtés dans l'Égypte, avoir les autres de désir. Et puis, il n'y a aucun problème avec dépopularisation. Lui. Quand on trouve un pays golfe, ou ça un pays arabe, je peux faire estincar, je peux refuser, je peux dénoncer l'attaque dans l'hôpital. Qui veut dire ça? Qui veut dire que je dénonce l'attaque dans l'hôpital? Ça veut dire que je approuve l'attaque pas dans l'hôpital. Qui veut te dénoncer l'attaque dans l'hôpital? Qui veut te pas dénoncer 75 ans de l'oppression, 75 ans de vol, 75 ans de déshumanisation, 75 ans de dépopularise Palestine. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي بعد وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أصحاب الأخدود أصحاب الأخدود ça jeune dans l'histoire de أصحاب الأخدود l'in enseigne les rois qui peuvent envie de tuer lui on va pas prendre dans le détail de l'histoire l'in enseigne les rois rassembler toute la population ensuite quand tu peux avoir une flèche pour tuer moi un da'i ça un prêcheur un jeune que tu peux faire da'wa ilallah azza wa jal dans l'histoire de أخدود Les dix les rois, là, tu n'as pas besoin de moi. Pas fatigue-toi. Si tu as envie de tuer moi, fais de l'assemblée. Rassemblez du monde. Les rois rassemblent du monde. Ensuite, quand tu vas avoir ta flèche, tu dis Bismi, Rabbi, Hazel, Roulam. Quand tu vas tuer moi, tu envoies une flèche, tu dis au nom de Rob de sa jeune là. Là, tu n'as pas besoin de tuer moi. Les rois, avec ce aveuglement, pour tuer sa garçon-là, Allah fait devenir aveugle. Il n'est pas compris. Voyons Corona, voyons Corona. Il fait ce plan, Allah fait ce plan. Il fait ce plan, Yahoud fait ce plan.
Allah fait ce plan. Wallahu khairul makirin. Allah meilleur de celui qui fait un plan. Alors, finalement, les rois prennent sur flèche. Ils disent Bismi Rabbi hadal ghulam. Au nom de Rob, de sa jeune-là. Et envoie sur flèche sa jeune-là, shahid. El mautu Yahya. L'amour d'Afi Sabilillah lui donne naissance à une communauté en entier. Lui donne la vie de Iman, pas sa action de sa jeune, qui de nos jours nous est capable d'appeler le suicide. Pas n'a pas servi à être Coran, ou à la tulku vi aïdikum, il est tahlukati wa ahsinu. Pas n'a pas déjà fait des pâtes, vous êtes même dans tahluka, dans destruction. Zame sa ayat Coran là, tu veux dire ça. Sa ayat Coran là, tu veux dire, faut des pas à cause de business. Et de la terre, tu qui djihad de fils sabilillah. Maintenant, via ayat Coran là, on va là-haut. Je veux dire, faut des pas te mettre même dans destruction. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Uhdud. Les dire que tout ça, manjimoun qui est venu dans sa rassemblement là, il amène iman. Par l'amour de sa jeune là. Ça manjimoun qui est mort dans fils sabilillah. Dans Palestine, c'est pour qui sa communauté la regagne son Izza, regagne son honneur. Et ça maintenant, Allah choisit les autres. Allah choisit les autres. Ce n'est pas nous qui choisit les autres. Allah choisit les autres parmi toi et Fatou Mansoura, le groupe victorieux qui ressource à Sanda Mousnad Ahmed. Fin confirmé, poénez jusqu'à jour qu'yama. Man sahaba dit, ya Rasulallah, aynahum, kot saban jimoun, qui tout le temps pour rester la vérité là. Rasul sallam dit, fi baytil maqdis, ou akna fi baytil maqdis, man la pour autour masjid al-Aqsa, ou bien dans alentour de masjid al-Aqsa, et bien les autres riwayats montrés dans Sham, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Syrie, Liban, Jordanie et Palestine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala l'indécide pour choisir sa manjimoun-là, pour venir représenter la lutte de la communauté musulmane, les deux nous autres même niveau de test. Voilà, nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-jou' wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wal-thamarat wa bashir al-sabirin. Et pas oublier sa ayat Coran de test là. L'invinzis après ayat Coran. Voilà, taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. N'a pas dit à Manjimoun qui n'a pas dit Sabilillah, Manmo bal ahya, zot vivant, dans Surah Al-Imran, inda rabbihim yurzakoun, kot Allah subhanahu wa ta'ala, zot begain zot rizq. Et dans Surah Baqarah, Allah dit, walakin la tash'urun, te pas pour capable percevoir, comprend, qui veut dire un mujahid qui n'a pas dit Sabilillah, li vivant kot Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Numéro 4, man mata duna malihi, فهو شهيد ومن مات دون أهله فهو شهيد ومن مات دون دينه فهو شهيد ومن مات دون أهل دمه فهو شهيد. C'est lui qui mort de défendre son dîn, il y a un shahid. C'est lui qui mort de défendre son jibien, il y a un shahid. C'est lui qui mort de défendre dîn Allah, il y a un shahid. C'est lui qui mort de défendre son famille, il y a un shahid. C'est lui qui mort de défendre son argent, son jibien, il est shahid. Et c'est lui qui la guerre pour défendre ce disant, ce la vie, il y a un shahid. Alors, pas besoin, mal prend sa situation là, c'est Allah qui choisit les autres, et c'est Allah qui donne daraja shahid. Cheikh Abdallah Azam, il a besoin de dire, Abdallah Azam, rahimahullah, palestinien, qui papa de djihad dans sa décennie là, il dit à chaque fois, quelle nouvelle de un shahid vini, moi je dis, la wakunna, la wasalna, si nous tu mérites shahid, Allah tu peux prendre nous shahid. Parce qu'il fait dire ça. Parce qu'Allah dit wa yattakhidha minkum shuhada. C'est Allah qui choisit un shahid. C'est Allah qui prend un shahid. Alors Cheikh Abdallah Azam, rahimahullah, taqabbalahullah, lui dit à chaque fois qu'il m'a gagné une nouvelle un shahid, moi je dis, la wakunna, la wasalna, si nous tu mérites, nous si nous tu peux gagner sa valeur là. Ça maintenant c'est Allah qui peut prendre notre shahid. Et ça c'est l'ayat Coran. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ولا بانزدكم من شهيد. Ça c'est ban choix que Allah subhanahu wa ta'ala fait basé le sacrifice que je fais. Position politique. Quelle position politique? Quand nous ban politiciens. On ne peut pas dire gouvernement, l'opposition. Qui position nous prend? Qui quelle position nous prend? Nous parti, qui position prend? On ne peut pas donner aucune conclusion. On peut juste poser question. Quand LGBT,
Quelle position nous prend? Quand Cedaw, allié de YouTube, qui était Cedaw, C-E-D-A-W, et Al-Gaïté qui s'en a, qui préside ça, comité-là, et qui ban agreement qui finit signé. Qui position ban député musulman, qui l'opposition ou bien qui gouvernement? Qui position? Tu pas poser question? Tu pas redonner à l'île pour dire si mon gouvernement ou bien mon l'opposition, plutôt mon parti, les prend position, les contraires, ce qu'il y a sur la souligne dire, dans une situation qui est claire dans le Coran et claire dans le Sunna, qui peine en divergence, qui m'a besoin faire? Ça m'a laissé cette question-là ouverte. Qui nous bannent politiciens, je te réfléchis en compte pour le rendre compte à Allah, basé le bonne position qui nous prend dans différents événements qui peuvent passer dans nos pays. Décriminalisation, sodomie. Pour nous, il n'y a pas pour sens dans rien, alhamdoulilah. Parce que nous, nous ne pas vivre d'après divan, nous ne pas vivre d'après ce que beaucoup de gens peuvent dire, nous vivons d'après Coran avec Sunna. Coran, il finit fait haram. Sunna infini fait haram, personne pas pour qu'avine légalise. Mais moi demande question, l'Osamimbar là, qui position ban député dans beaucoup ban événements, côté une ban position claire de Coran, peine divergence, les bisins prend quand des causes politiques. Comment mon dieu est allé là, Irlande, l'Espagne, Malaisie, Jazair, Algérie, je peux commencer à prendre position qui bisin. Nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala, qui s'amène beau qui peut autour de ça défoncer. Et une fois qu'il s'en va de la défoncer, c'est la troisième guerre mondiale qui peut venir automatiquement. Parce qu'il prenait l'équipe qui peut mourir avec Gaza. Et prenait l'équipe qui faisait mourir avec Israël, Gaza ban annou. Et capable d'une manne qui peut djibouter pour qu'il réussi. Je peux attendre quand victoire vini. Je peux nous tuer ensemble avec toi. Alladhina yatarabbasuna bikum. Fa in kana lakum fathum min Allah, qalu alam nakum ma'akum. Wa in kana li kafirin nasibun. Qalu anastahwidh alaykum. Wa namna'akum min al-mu'minin. Et dans le groupe, il y a une embuscade, il est bégayé. Si gagné, nous sommes ensemble avec toi. Et si perdu, nous ne pouvons pas dire toi par rentrer dans la guerre. Ça, c'est l'esprit défaitiste que le Coran a résisté. Alladhina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikum al-maut. Allah dit ban qui pendant la guerre persisé. Je dis à mon frère qui est allé en mode fi sabilillah. Tu as trouvé? Tu as trouvé maman, ce n'est pas tu avoir deux enfants, il n'y a pas de mot. Allah subhanahu wa ta'ala dit fadra'u anfusikum al-maut. Si vous êtes capable de boire l'amour, barrer l'amour parce qu'il est l'amour. Dans ben musulman, là quelques mois de cela, tremblement de terre dans Turquie. Vous connaissez comment du monde? D'après chiffre Turquie officiel, 46 530 du monde. Vous connaissez dans la guerre de ben crusadier, quand on rentre dans un pays musulman, dans une seule la guerre parfois pour millions de mots. D'après chiffre officiel d'Afghanistan, 536 000 du Mounimo, ça m'a un chiffre officiel ça. Dans l'Irak, 536 000 plutôt dans l'Irak et d'Afghanistan, plus qu'un million. Tout ça là, c'est l'amour même ça. C'est mon salamour là, c'est l'amour au point de but. Salamour là, c'est l'amour au point de cause. Salamour là, c'est l'amour fisabilillah. Numéro 1, pour libération Masjid al-Aqsa, depuis l'armée de Man Yahoud. Et numéro 2, pour libération de Man la terre qui fait une coquin pour depuis 1900. 48, ban frère et ban sœur. Alors Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, il faut guetter nous une position qui nous prend. C'est pour ça qu'il m'a dit dans l'ayat Coran, quand il montre qualité pensée de ban djimoun, quand je trouve la guerre fait sabilillah, et nan djimoun, il n'y a pas pour dire non rien. Et nan djimoun, à cela, il envoie une parole, Cheikh Albani. À cela, il envoie une parole de ban conspirationaliste. Il envoie une parole de ban djimoun pour montrer que ça la force qui ne l'éveille. Le 7 octobre, pour faire face avec l'ennemi Allah, c'est dans la force under control, ça. Ben frère, get réalité avec les yeux, il n'est pas under control. Netanyahu, tu désignes dans la guerre de ce pays, tu désignes dans la guerre interne, d'après ce politique et ce man la loi qu'il peut voter, à ce là ben n'a pas crasse l'eau, lui. Pas capable, Netanyahu, il fait un plan, que ben n'a crasse l'eau, lui, finalement. Alors, voyam corona, voyam corolla, wallahu khairul makirin. Ben frère, ben soeur, qui nous vient faire, numéro 1. Nous dire, remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Remercie Allah, ça bousser manger, nous pas le manger après Jumma. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala avec sa tranquillité là. Et ça remercie là, moi je finis d'expliquer. Numéro 2, ben frère, ben sœur, faites attention quand nous guettons information. Ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Avant nous partager une information, nous visons clarifier, nous visons vérifier. Et si nous peinons la capacité de vérifier, pas causer.
Numéro 3, ça c'est un ijtihad personnel. Moi dire pas portage, ban craser, ban enfants intuyer, pas portage ça. Les gars font du monde yas, les gars font du monde découragé. Portage ban quitteuse, qui n'est capable de faire du monde plus beaucoup courage et surtout vérifier cette ban source avant qu'il se portage. Numéro 4, Allah subhanahu wa ta'ala, Jalla Jalaluhu, Lijia ya ayyuhalladhina amanu. Allah peut dire, est-ce qu'il me montre un chemin qui peut protéger les autres contre une punition douloureuse? Tu'minouna billah wa rasoulihi wa tujahidouna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Fais la guerre de fi sabilillah. Amen iman wa Allah sur Rasoul avec l'argent ou bien avec l'écho. Si nous ne sommes pas capables avec l'écho, alors nous bisons faire des efforts d'après nos capacités pour nous mettre ça là aux là. C'est moi qui ai bien, qui s'en a peut prendre et qui s'en a qui peut quitter. Parce qu'il n'y a pas oublié. Alain pose une question de Coran. Pour bien poser autre question là. Wama alakum. Wama alakum. Qu'arrive zut? Allah veut dire qu'arrive zut? La tu qatilou na fi sabilillah. Je bat la guerre fi sabilillah. Wal mustad'afina min ar-rijal wal nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك نصيرا وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا بان جيمون بان فب بان مدام بان فيو زو تو بي دي مان سيكو نو نو بابي برون اوكان كونت ان بليس نو فين بان جيمون كي فين ميت بوازون دان لا تيت مسلمان pour décourager les moudjahidines. Les moudjahidines, ce n'est pas le 7 octobre qui bataille a commencé. Ça, nous devons comprendre bien. C'est une bataille qui a commencé quand Cheikh Ahmed Yassine, rahimahullah, en 1981, il forme une organisation pour résister à l'invasion de les juifs. Et vol, il a commencé depuis 1948. Pas commencé à faire film à partir de 50 minutes, ensuite, on tire conclusion. Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître à travers nos habibs sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam mathal al-mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mathal al-jasad. L'exemple de la compassion qui est née entre les musulmans lui paraît comme un sel l'écho. Si un bout l'écho souffert entier l'écho bien senti ça la fièvre de sa souffrance là. Si vous n'avez pas aucune souffrance, vous avez un malade, vous avez un docteur l'équerre. Attention, une sécurité, une sécurité, une comfort zone, une dissociation avec la communauté, ou bien une anesthésie qui ne fait de la tête, vous pas senti aucune souffrance et vous pas senti aucun contentement quand vous trouvez sa cayenne sorionnière, qui tout ça bananine, il fait tout ça dans le pays, qui ne ramasse pas milliards de hommes dans votre histoire, il montre les autres qui sont Yahoud là. Allah subhanahu wa ta'ala se l'aide avec nous, nous décide les autres, on va dire pour le mouiller. Ça écrase ça, ça ostoura, ça faveur, ça la force technique Israël, la force militaire Israël, la force nucléaire Israël, il vient comme dire la poussière devant pouvoir Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu. Quand se l'aide in descend, l'Oban Mujahideen, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, fin dire, Allah fin dire, wa ka'ayy min nabiyin. قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما استكانوا وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين كم يجمون إن لقيا في سبيل الله زمان زن فاتيجي زو بان فاتيجي سوال analyzer والجيتي كي كنستي بناني ما نن رست dans tunnel pour fouiller c'est simple qui chose qui peut faire Israël réfléchir 100 fois avant de venir faire une attaque terrestrielle c'est Anfaq de Gaza. C'est un tunnel qui existait. Vous connaissez combien de bananes ça a fait pour faire ça? Et vous connaissez qui? Sisi a fait? Sisi, lui, quand il vient au pouvoir, garantit qu'il donne Netanyahou pour accepter ce inqilab, ce coup de. Comment on appelle ça? Ce coup qu'il fait dans l'Égypte pour Tia Mursi, garantit que Sisi a donné pour éclater tout ça, un tunnel qui est là entre l'Égypte, le Mabar Rafa, pour faire tout ça, un tunnel là, pour m'oublier bien dans Gaza. Ça c'est garanti que Sisi tu donnes Netanyahu, la même qui Sisi lui gagne acceptance dans les Nations Unies comme représentant de l'Égypte. Et là, c'est là avec ce labossier, il dit, qu'est-ce qu'il dit à Sisi? Il dit nous gagne l'attaque, roquette de man juif et quatre Égyptiens morts. Là qui nous fait une ferme border de Rafah.
On a placé répliqué. Les fins bourdins, ça veut dire les ban l'amour sans manger, sans boire, sans délou, sans courant. Ça, c'est l'état d'esprit de Sisi. Et tout ban qui mort sur Sisi. Et tout ban qui supporte Sisi. Et tout ban gouvernement qui commence Sisi. Ça, c'est un qui appelle ça ban mounaferine. Et ça, l'événement-là, il vient pour montrer vrai visage de ban mouminine, vrai visage de ban koufar. Et vrai visage de man munafiqin. Ma kana Allah li yadhara al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiz al khabith min al tayyib. Ça c'est un événement de pasté, filtration qui Allah peut faire avant que Victor descende, peut nettoyer sa sof de man musulman avec man munafiqin et man mu'min qui khalisa, qui purement mu'min, pour qu'il aide Allah descende. Et Allah inna nasrallahi qareeb. Faire ce qu'ils veulent faire, yuriduna an yutfi'u nur Allah bi afwahihim wa ya'ba Allah illa an yutimma nurahu walau kariha al-kafirun. Pas pour capable en paix victoire devant le mujahidin, pas pour capable éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala avec sa message. Nous demandons avec Allah, nous faisons tawbah, nous retournons vers Allah, nous trappons nos dînes, nous respectons les limites Allah, côté halal haram, nous respectons le sunnah de nos rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et nous réfléchissons bien qui nous peut planter pour dans 50 ans nous bons enfants récoltés. C'est Astiela qui faisait travail pour nous manipuler ça, l'ATLA, pour nous mettre dans le fertilisant qui bise, pour nous mettre dans la graine qui bise, pour que nous, nos enfants, nous vivent la vie iman dans 50 ans, 75 ans de ce pays-là. Sinon, non, pour rester réalité, pour envoler. Rabbana dhalamna anfusana, wa illam taghfir lana wa tarhamna, lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhab an-nar. اللهم يا قوي يا متين، اللهم يا رب العالمين، اللهم يا رب بدر والأحزاب، اللهم يا رب المستضعفين، اللهم يا قوي يا متين ويا جبار يا ذا البطش الشديد، انصر المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا قوي يا متين. اللهم يا ربنا انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك منافقي هذه الأمة يا رب العالمين، إنهم لا يوجزونك. اللهم يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا حازم الأحزاب، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم اهزم أعداءنا وأعداء الإنسانية الصهاينة الظالمة يا رب العالمين. اللهم يا ذا البطش الشديد، اللهم اشتد وطأتك على اليهود الغاصبة، اللهم قوي عزائم المجاهدين في سبيل الله، اللهم سدد رميهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم انصرهم، اللهم تقبل شهداءهم. اللهم يا رب العالمين خفف عنهم البلاء، اللهم خفف عنهم البلاء، اللهم خفف عنهم البلاء، إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.